Je m'appelle Arthur Vladrelou, j'ai 27 ans. Alors ma première expérience scolaire donc, elle a été plutôt l'orientation vers le côté pro. Donc BEP, bac pro électrotechnique, pour être électricien parce que j'en avais marre des études, j'avais envie de me mettre assez vite au travail. Donc, c'est une expérience qui a été plutôt enrichissante, qui m'a appris pas mal de choses et qui m'a consolidé dans le choix de reprendre mes études. De là, je me suis orienté auprès de Campus Pro afin de voir s'il y avait possibilité de reprendre quelque chose dans le secteur du commerce. Et on m'a proposé donc la Seigneurie, qui est ma société actuellement, donc avec qui j'ai fait deux superbes années en alternance. Alors j'ai fait un titre pro management des univers marchands. Ça m'a permis de vraiment m'attacher à la société, d'avoir envie d'évoluer, envie de m'investir. Alors donc ma mission, donc, je suis basé donc, sur le secteur de Lille, toute la métropole lilloise. J'ai un fichier client de entre 230 et 250 clients à suivre. Mon but donc, c'est de maintenir ce portefeuille client à flot, donc me déplacer sur les chantiers, donner des conseils techniques, faire des préconisations, également faire de la prospection, des ouvertures de comptes, trouver des nouveaux clients, une nouvelle clientèle. Par exemple, c'est des artisans qui ont des projets de rénovation de maisons, d'appartements, de bureaux et autres. Alors la découverte déjà de la société, et pour ça je serais toujours infiniment reconnaissant, parce que je suis très heureux d'être à ma place grâce à Campus, puisque à l'époque j'avais vraiment très bien été orienté, c'est eux qui m'avaient proposé cette société, donc ça a matché tout de suite, quoi. Ce que je pourrais leur conseiller, c'est surtout de s'accrocher, parce que parfois c'est pas tout beau tout rose, il y a des périodes un petit peu délicates comme en ce moment avec le Covid. Par contre, le fait de s'investir vraiment dans une société, ça peut permettre d'ouvrir des portes, de développer le parcours. Et il faut vraiment aller au bout de ses envies, au bout de son expérience. Et même si on ne s'en rend pas compte au jour le jour, par la suite, mine de rien, ça nous permet de trouver notre place.